La Roche à Foucault est devenue l'une des plus importantes fêtes médiévales de la région Nouvelle-Aquitaine. Cet événement culturel estival participe à la mise en valeur de notre patrimoine et à l'attractivité du territoire. Vous étiez plus de 12 500 spectateurs à notre 13e édition en 2024. Un grand merci à tous. Rendez-vous donc les 19 et 20 juillet 2025 pour la 14e fête à La Roche à Foucault. Smedlin est une troupe de musiciens passionnés qui nous fait voyager à travers les siècles, avec leur musique festive et leur énergie débordante. Leur répertoire couvre la fin du Moyen Âge aux richeurs de la Renaissance. Ce sont des amoureux du partage, de l'échange, du plaisir avec le public. Voilà. Ça, c'est le son d'un vrai impact d'époque. Voilà. Compagnie incontournable de la fête médiévale, Draconia Productions est l'une des principales compagnies de théâtre professionnelle en Espagne. Elle est basée plus précisément à Figueres en Catalogne. Le roi est mort, sa fille, la princesse Hélène organise une grande joute où les meilleurs chevaliers du royaume se battent pour remporter la couronne du futur roi. Les chevaliers devront faire face aux jeux équestres, l'épreuve des anneaux, les bris de lance ou des épreuves de feu jusqu'à ce que le meilleur soit, couronné roi. Les fabuleux combats décideront le vainqueur du tournoi. Le méchant Ulrich s'impose à Étienne, mais le bossu n'a pas encore dit son dernier mot de qui gagnera. Compagnie d'amateurs de l'association organisatrice Les Rupificaldiens ont proposé des reconstitutions d'un campement de chevaliers avec armes, démonstrations de combat et machines de siège.
Compagnie incontournable depuis plusieurs années à notre fête médiévale, Vol en scène présente l'art de la fauconnerie avec des démonstrations en vol libre de rapaces, comme les aigles, vautours, buses ou hiboux. Le spectacle qui nous est offert aujourd'hui est issu des Géants du ciel basés au château de Chauvigny dans la Vienne. Le repas de cochon à la broche est servi le samedi soir et cette année pour la première fois le dimanche midi. C'est avec la compagnie professionnelle Zoolian que le spectacle de feu arcane alliant l'art de la jonglerie à la magie pyrotechnique que s'achève notre journée. À bientôt et au plaisir de vous revoir pour une autre édition.